Zami Mio, zami internaute, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure que vous avez suivi. Chose ça, qui c'est École Saba, qui est content pour que vous capable retourner la caillou pendant l'année 2019 là. Moi, je voulais prendre un moment ça pour que vous capable souhaiter avec nous chaque qui a suivi nous une bonne année dans le Seigneur. Je suis certain, année 2018 là, c'est très bon pour nous. Et pendant que nous avons commencé ensemble avec l'année 2019 là, moi, je demande bon Dieu pour le bénir nous, pour le protéger nous et pour le bénir famille nous, pour le bénir toute entreprise nous. Pendant le trimestre qui commençait avec un bel livre que nous allons étudier ensemble, nous pas caché de nous allons passer des moments inoubliables. Et côté que bon Dieu, l'Esprit lui a ensemble avec nous, et côté que nous allons apprendre ensemble. Pour nous commencer l'année ça avec École Saba, toute équipe École Saba souhaite nous bonne année dans le Seigneur. Que bon Dieu lui-même capable de jeter des bénédictions extraordinaire et spécial sur nous tous qui suivent nous jour après jour, semaine après semaine. Pour nous commencer le son trimestre, nous pas pour nous, nous commençons ensemble avec la belle Madame Laurie Pierre. Bonjour à tous, souhaitez-nous une belle année 2019, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu guide nous. Également, souhaitez-nous un pile succès dans tout ça à entreprendre durant l'année 2019. Mais surtout que nous restions accrochés avec bon Dieu et que nous toujours qu'un bémol jusqu'à ce que l'île retourne sur la mer de verre. Merci, Sœur Laurie. Merci ensemble avec tout le public là qui a suivi nous. Et je ne vais pas cacher de vous, nous allons passer un bel moment parce que nous avons étudié un livre qui est vraiment intéressant. Un pile monde ne peut pas étudier et qui a un pile problème dans le monde évangélique. Et un livre que nous allons étudier pendant tout le trimestre, ça, c'est le livre de l'Apocalypse. Et Sœur Laurie, nous gagnons le livre de l'Apocalypse qui. Et qui sont les qui intéressants. Première leçon, hein, et ils ont parlé, les titres comme ça, l'Évangile depuis Patmos. Est-ce que vous êtes capable de lire pour nous le verset à mémoriser, s'il te plaît? Ok. Donc, le verset à mémoriser, nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, qui dit « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit. » Car le temps est proche. Merci, Sœur Laurie, pour belle lecture ça. Et nous continuons ensemble avec le son. Avant que nous rentrions d'emblée dans le son ça, nous invitons pour que vous capable baisser tête, pour que vous capable prier pour nous invoquer le Saint-Esprit. Sœur Laurie, est-ce que vous capable prier pour nous, s'il vous plaît? Bien sûr. Céleste Père, nous te disons un grand merci de nous permettre de pouvoir encore une fois ouvrir ta parole afin de pouvoir te découvrir, Seigneur, à travers ce livre de l'Apocalypse. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses être avec nous, que tu puisses te révéler à nous et que ton Saint-Esprit puisse nous transformer. Garde-nous en ta paix et en ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Sœur Laurie, pour prier ça à côté que ou bénis nous, je dis. Et nous rentrer exactement d'emblée dans le questionnaire là, qui gagne pour titre Apocalypse et qui gagne une leçon en semaine, ça, qui gagne pour titre Évangile depuis Patmos. Et nous capables ouais dans l'introduction de leçon hein, yo parler de la prophétie. Et nous ouais, il y a plusieurs types de prophétie, nous gain pour entrer ça d'emblée dans leçon peut-être dans leçon mardi ou mercredi. Et mais yo dit que en réalité en livre Apocalypse là que bon Dieu t'est bas avec Jean, c'était pas juste un livre comme ça, mais c'était une vision que il était. Et qui ça que vous comprenez sur le riz pendant que vous lisez l'introduction de leçon hein? Oui, c'est une vision que bon Dieu lui-même te bail à Jésus et Jésus lui-même lui bail révélation ça à l'ange et l'ange lui-même la bail révélation ça à Jean qui était dans l'île Patmos. Donc ça c'est une révélation qui là depuis plus de 19 ans depuis que Jean lui-même il était en exil et bon Dieu lui-même lui révélait tête lui à Jean. Libali ont un message d'encouragement, un message d'amour et un message de soutien côté que Jean qui prend assurance que l'IPA pour compte lui dans tribulation, dans situation côté le théier sur l'île de Patmos. Amen. Et non seulement ça, en dans le livre, ça a que vous parlez que prophétie est vraiment important parce que prophétie, c'est une manière que bon Dieu, nous, nous-mêmes, quand marcher dans le fer noir pour capable éclairer nous.
Parce que en pile fois pour monde qui découragé, ce sont des promesses que bon Dieu fait ensemble avec nous pour que le capable dire non, il gagne pour retourner pour le restaurer nous. En dans livre ça, c'est là que nous parlons que Jésus-Christ il gagne pour le capable venir établir le royaume pendant que nous-mêmes n'a souffri journée jeudi. Pour nous capable rentrer dans la leçon dimanche là et il gagne pour titre le titre du livre. Nous pourrons parler exactement du titre du livre de l'Apocalypse. Qui ça Apocalypse là y est et qui ça que l'essence signifie. Et livre Apocalypse là depuis dans verset 1er dans Apocalypse chapitre 1er, il dit li révélation de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ. Et si nous lisons en grec là, on capable lire deux manières. On capable lire les révélation de Jésus-Christ ou bien révélation à propos de oui, Jésus. Ça veut dire que soit que c'est Jésus qui va révélation, livre révélé tête, c'est peut-être ça souvent dans le son, hein. Il y a parlé de yon auto-révélation. Ça veut dire que Jésus révélé tête li ensemble avec l'humanité, ensemble avec peuple. Et aussi, li parler de lui-même et li parler de ça que li gagne pour faire pour nous-mêmes. Ça veut dire que Apocalypse c'est pas un bagage qui est censé cacher, mais c'est un bagage qui est censé dévoiler ensemble avec nous. Ça c'est ça le mot Apocalypse même il signifie. Il signifie dévoiler ou bien enlever le voile ou bien un bagage qui était caché en côté et puis ou retirer ça qui était caché là pour que on capable mettre lui à vue voir pour que tout le monde même démasquer exactement. Ça c'est le mot ou démasquer. Mais en dans livre ça aussi, mais on croit que il parlait de Jésus-Christ, il parlait de figure de Jésus-Christ le centre. Comment que on comprenne partie ça et leur parler de le but et le titre du livre de l'Apocalypse. Le titre du livre de l'Apocalypse, bon, c'est Jésus même qui bail révélation. Donc Jésus lui-même lui vini et lui parlait de lui-même, lui parlait de lui-même. Donc tout livre de l'Apocalypse centré autour de Jésus. Donc ouais, que le livre de l'Apocalypse commençait avec Jésus et il terminait avec Jésus côté que dans Apocalypse verset Apocalypse chapitre 22 verset 16 dit-nous que li, moi Jésus sous lui attesté lui-même que ça m'a dit là, c'est ça m'a dit là, c'est pas on va que les hommes a dit, mais c'est moi-même Jésus, moi-même bas ou assurance de ça que m'a dit là. Ça veut dire que Jésus lui-même lui censé bailler assurance que le livre ça, c'est non seulement la parler de lui-même, mais c'est lui-même qui baille le livre là. Oui. C'est lui-même qui baille le livre là. Ça c'est vraiment intéressant parce que Jésus-Christ supposé au centre de toutes choses. Amen. Et c'est que nous lisons le livre de l'Apocalypse. Et pour monde qui a suivi nous dans la période ça, nous avons dit comme ça que le, Jésus c'est lui-même qui est dans cet apocalypse là. Tout message que ou yo yo centré autour de Jésus-Christ. Et m'a dit aussi livre ça lui-même, il parlait de existence et il gagne deux buts et premièrement il parlait de existence et il parlait de ministère de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous gagne pour nous aspect ça yo pour montrer nous comment que ça lui-même il vraiment est vraiment important et que Jésus-Christ en tant que la lumière du monde et c'est lui-même qui a aidé nous pour que nous capable pour tout bagage. Maintenant évangile et yo parler nous li parler nous exactement du ministère de Jésus-Christ sur la terre, li parler nous de la résurrection, li parler nous aussi de l'ascension de Jésus et mais livre hébreu a parlé de l'autre bagage. Songer de qui ça livre hébreu a parlé de ministère de Jésus-Christ lorsque il est monté dans les cieux. Oui, le livre d'Hébreu parlait du ministère sacerdotal parce que depuis que Jésus monté au ciel, nous pas vraiment connaît exactement qui ça l'a fait dans le ciel. Et le livre hébreu, bah nous on profondeur sur qui ça Jésus a fait dans le ciel. Okay. Donc, nous voyons que Jésus lui-même, lui, dans le ciel, il est en fonction spéciale, il est en fonction de grand prêtre, côté que l'a intercédé auprès du Père pour petit Léo. Et nous voyons également que Jésus lui-même, lui, ministère que l'il était gagné sur la terre, qu'on y a l'autre ampleur maintenant dans le ciel. Amen. Lorsque nous faisons transition des Hébreux pour entrer dans l'Apocalypse, c'est là ça que vous parlez le ministère Jésus-Christ en tant que grand prêtre qui a intercédé pour nous. Si pas gagner le livre de l'Apocalypse et l'Hébreu, nous pas jamais connait qui ça que Jésus-Christ lui-même lui a fait journée jeudi. Et frères et sœurs, ça c'était fin leçon dimanche là. Dans leçon lundi, il y a un petit titre le but du livre. Qui but livre Apocalypse là et que nous capable dire. Et m'a dit comme ça que livre Apocalypse là, il gagne deux buts. Premièrement, c'est pour que il capable montrer nous comment pour nous vivre journée aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est pour que il capable préparer nous pour l'avenir. Et parce que lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1er et il bat nous but, il dit comme ça que c'est pour capable montrer nous ça qui peut arriver dans la suite.
Ça veut dire que l'été est non seulement pour le temps de Jean, mais aussi pour nous, journée aujourd'hui, et qui a établi jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même est censé retourner. Et deuxièmement, il a parlé que le livre de l'Apocalypse d'une manière eschatologique, et ça qui peut arriver dans la fin des temps, et plusieurs événements qui peuvent arriver, pour que moi-même, ensemble avec vous, nous pas peur. Parce que Jésus-Christ, qui est déjà ce livre-là, il a déjà dit nous exactement ça qui peut arriver. Mais pendant que nous parlons de partie eschatologique, ça qui peut arriver dans la fin des temps, mais il y a l'autre bagaille qu'en pile, on sait que le ministère s'en est fait. Et il prend le livre de l'Apocalypse pour faire mon peur. Comment vous avez parti ça, ou même pendant que vous avez le livre Apocalypse, et en pile prédicateur utilisé pour faire l'argent, pour faire et vivre d'une manière sensationnelle Bon, malheureusement, dans le livre de l'Apocalypse, déjà, il faut que nous songer que c'est un livre d'amour. Et pas quoi dans l'amour, il y a la peur. Amen. Bon, Dieu lui-même, lui ben nous un message d'amour, côté que lui voulait préparer nous. Amen. Parce que lui, il entend dit nous, oui, il y a une tribulation, oui, il y a une persécution, mais les wapwe bagay sa yo, pas peur. Au contraire, ancrer foi ou dans moi-même. Rester attaché dans moi-même parce que bagay sa yo gen pour y arriver, mais qu'on est que moi-même m'a vini chercher. Amen. Depuis où est bagay sa yo arrivé, qu'on est qu'au contraire, moi-même m'a vini chercher. Amen. Ça veut dire que le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs, n'est pas de bail comme si pour que nous t'es capable d'utiliser pour nous faire l'argent, pour que nous capable faire mon peur. Mais bon Dieu t'est balé pour que tu es capable d'assurer nous que la pour retourner pour venir chercher monde qui fait lui qui te fait le plaisir. Ça veut dire que dans le livre de l'Apocalypse, il démasque toute faux prophétie qui a metté qui l'est que Jésus-Christ lui-même est censé retourner. Non pas qu'on l'est, mais seulement Jésus-Christ assure nous que la pour retourner bientôt. Et ça vraiment vraiment c'est parce que bon Dieu lui bat nous assurance que lui au contrôle de tout ça qui a passé parce que prophétie hein, les sorties de Jésus, lui-même qui gagne qui omniscient, lui qu'on est tout, lui ouais toute bagarre, côté que nous bagarre que nous-mêmes nous parlons, ouais, bagarre qui cachait l'Éternel lui-même lui ouais, et donc ça bah nous on assurance que même si nous non situation qui est difficile, bon Dieu gagne contrôle sur toute bagarre, même si nous ouais gagne monde qui a fait faire nous peur. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous gagnons parole pour que nous puissions rattacher nous et pour que nous puissions ancrer foi nous dans lui-même. Okay. Merci, Sœur Laurie. Et nous finissons en nous arrivant exactement à la fin partie lundi. Nous prenons une petite pause, nous retournons tout à l'heure. Salut! Nous sommes Jefferson Pluviose et aujourd'hui, nous allons parler de hashtag Ecosa. Qui ça hashtag Ecosa? C'est une plateforme qui permet de trouver une réponse à toutes questions qu'on a gagnées. Que ce soit lors d'étudier le son là à Kayou, pendant l'église, pendant la parole à Zamir, ou soit même pendant regarder une vidéo le son l'école Sabal. Qui sont capables de poser des questions ça? Mais qui sont fait, c'est aller dans l'espace commentaire, écrire question et puis à la fin, mettre hashtag Ecosa. C'est aussi simple que ça. Une question là, oui. Ah, on t'a oublié de nous ça. Eh bien, vidéo hashtag Ecosa, il y a posté chaque vendredi soir. Ça permet tout que vous avez toute semaine pour poser question et puis les vendredis soir pour jouer une réponse sans qu'on y a ou même pour aller dans la classe ou dans le sabbat matin pour capable partager réponse à tout le monde. Merci, ma pour nous hashtag Ecosa. Nous de retour pour l'étude de la leçon. Côté que nous avons étudié leçon 1, l'évangile depuis Patmos. Nous avons étudié Kounia partie mardi qui est intitulée le langage symbolique de l'Apocalypse. Ça, c'est vraiment une très belle leçon. Et côté que nous avons le livre de l'Apocalypse sur l'Ori, lit écrit d'une manière imagée. Et je suis capable de dire que dans le livre, dans la Bible, il y a deux types de prophéties. Et lorsque il a parlé de langage symbolique de l'Apocalypse, parce que deux types de prophéties, ça y est, la première prophétie que nous avons, prophétie qui est les prophéties classiques. Prophétie classique là, c'est livre par exemple Jérémie et Ésaïe et Ézéchiel. Livre ça y est, c'est livre qui écrit d'une manière en prophétie classique. Raison qui fait que les prophéties classiques là, qui sont prophéties classiques liées. Et en prophétie classique, c'est une prophétie qui sont censée bail pour yon temps à yon peuple bien déterminé.
Ça veut dire que bon Dieu, on sait de prophétie à peuple Israël, mais il n'y a pas balé avec le monde entier. Ça veut dire que le même message que bon Dieu te va avec peuple Israël, là, même s'il passait déjà, je ne veux dire le son moralio, nous toujours capables d'utiliser dans la vie. Non? Okay. Et ça veut dire que bon c'est de leçon, puisqu'elle te balé ensemble avec peuple Israël, il n'y a pas pour nous, je ne veux dire. Mais on se le bagaille, le son, yo, comme si pour que nous capables apprendre des leçons spirituelles, nous sommes capables toujours appliquer. Il y a des applications que nous prend pour la vie. Nous. Oui, il y a un bénéfice que nous sommes capables de jouer de nous-mêmes. Et okay. Ça fait que la Bible n'a jamais démodé. Ça veut dire que bon Dieu capable toujours parler avec le peuple. Deuxièmement, il y a un apocalypse, il y a une prophétie apocalyptique. Mm-hmm. Et c'est ça fait que c'est les prophéties que nous avons étudiées. Prophétie apocalyptique, là, c'est une prophétie qui bat d'une manière universelle. Ça veut dire que bon Dieu n'est pas balé seulement à un peuple. Il n'est pas bali seulement avec un pays, il n'est pas bali seulement avec une nation, mais bon Dieu bali avec le monde entier. Ça veut dire que la prophétie apocalyptique, là, nous capables de dire, il est déroulé selon l'histoire. Parce que nous connaissons l'histoire, non, en sens, n'est pas cyclique, n'est pas retourné sur lui-même. Mm-hmm. L'histoire, selon la Bible, est linéaire. Il commence avec un point, il termine avec un autre point, et pour qu'il soit capable de mener nous jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mm-hmm. Et c'est ça fait que dans le livre de l'Apocalypse, et nous avons beaucoup de symboles, et que nous sommes censés utiliser, même ensemble avec Daniel, même ensemble avec Ézéchiel, qui ont utilisé des symboles. Et symboles, ça va pour que nous soyons capables de connaître, pour que nous soyons capables de retourner dans la parole de Dieu. Ok. Nous voyons également que pour comprendre le symbole, ça y est, il faut que nous allions dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, nous avons un indice, nous avons une compréhension de symbole qu'il y a pu utiliser dans le livre de l'Apocalypse. Qui ça dit nous de ça? C'est vraiment important lorsque on commence dans le livre de l'Apocalypse. Il y a un mot que vous êtes censé utiliser qui c'est le mot semaio. Oui. Le mot semaio, c'est des symboles apocalyptiques. Ça veut dire que bon Dieu va utiliser des symboles pour que nous capable parler ensemble avec nous. Et pour que nous capable comprendre exactement ça qui est dans la Bible, ça qui est dans l'Apocalypse, il faut qu'on comprenne l'Ancien Testament. Sans l'Ancien Testament, on pas capable comprendre parce que plus fort image qui est censée utiliser, c'est l'image de l'Ancien Testament. Yes. Ça veut dire que pour une série de monde qui est censé rejeter l'Ancien Testament, qui dit comme ça que bon, l'Ancien Testament va prononcer le Nouveau Testament, mais m'a dit comme ça que ou dans l'erreur parce que bon Dieu que n'a servi un et li pa jam ba nou rien qui démodé. Amen. Li pa jam ba nou rien qui démodé. C'est ça fait que il est vraiment important pour nous étudier l'Ancien Testament pour que nous capable toujours faire référence ensemble avec le livre de l'Apocalypse. Pour nous connaître exactement qui ça que bon Dieu lui-même est censé vouloir montrer nous. Il y a une chose qui est vraiment important aussi, sur Laurie, que je suis capable de dire. Et dans le symbole apocalyptique, nous ne sommes pas capables de prendre au littéral. Si peut-être ça, vous dites c'est le symbole que vous avez. Et le symbole, ça, c'est le symbole que bon Dieu a utilisé pour que nous capable faire nous connaître, pour nous capable parler ensemble avec nous pour nous donner un message. Mais pendant que le livre de l'Apocalypse écrit en symbole là, mais des choses qui sont littérales. Absolument. Et parce que lorsque il a parlé du retour de Jésus-Christ et il a parlé de lorsque Jésus-Christ est censé ressusciter, tout ça, ce sont des choses qui sont censées littérales, c'est pas des choses qui sont symboliques. Bon, je vais utiliser symbole pour eux-mêmes. Ok. N'a pas Sekounian en partie mercredi qui est intitulé La divinité. Et nous voyons que dans chapitre 1, Jean lui-même lui écrit l'Apocalypse, même Jean avec Paul, elle t'a écrit lettre à l'église, à l'église d'Éphèse. Elle t'a écrit lettre là aux Hébreux. Et nous voyons la présence de la divinité dans le livre de l'Apocalypse. Et nous voyons également que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, écrit aux sept églises. Cette église qui littérale, mais également qui un symbole que nous avons tiré de eux-mêmes. Est-ce que vous avez... Dis-nous un peu plus sur ça. Ça, c'est très bien que nous connaissons, comme nous déjà dit, le livre de l'Apocalypse est écrit d'une manière symbolique et aussi littérale, dans un sens. Et cette église, ça y est, que apôtre Paul, apôtre Jean, lui-même est censé écrire, c'est pas un message apôtre Jean, c'est un message Jésus bali pour le bailler ensemble avec cette église. Ça veut dire que lui commencer ensemble avec le mot charis, qui c'est grec, ou bien le mot shalom, qui c'est hébreu. Et le mot charis, qui signifie grâce, ou bien shalom, qui signifie prospérité et paix. Ça veut dire que la paix ensemble avec nous. C'est même genre que apôtre Jean lui écrit ensemble avec les sept églises de l'Apocalypse.
cette église lui commencer avec une salutation. Il dit que la paix ensemble avec nous. Ça veut dire que bon Dieu voulait montrer nous que il pas utiliser une sorte de littérature qui était vraiment différente de ça qu'il était qu'on bail auparavant. Même genre que nous capable voir dans le son hier là dans l'Ancien Testament que bon Dieu lui-même même genre que il était sauvé des personnes dans l'Ancien Testament, c'est même Jésus ça c'est même manière ça que bon Dieu a utilisé pour sauver nous dans le Nouveau Testament. Amen. Ça veut dire que il pas différent et lorsque nous arrivons exactement en dans le son, ça, c'est là que nous parlons exactement la divinité. Comment que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, lui-même, est censé révéler lui et dans le livre de l'Apocalypse. Premièrement, nous avons le Père, et le Père qui est venu et qui introduit tête lui par celui qui est, qui était et qui vient. Ça veut dire que il montre nous le nom de Dieu qui s'est Adonai lorsque Moïse était venu pour aller en Égypte. Côté que il dit comme ça, qu'il est si me dit peuple là, qu'est-ce qu'il voit? Il dit comme ça, je suis et je suis ça, c'est lui-même comme si que il prend et il fait le tétagramme sacré du nom de Dieu, quatre lettres que en pile monde ça se connaît nous. Par contre comment que il dit journée aujourd'hui hein? Et lettre ça qui est vraiment important et qui c'est le nom de Dieu. Et qui montre nous que premièrement le Père il parlait avec nous dans le livre de l'Apocalypse. Deuxièmement, l'Esprit Saint ensemble avec nous. Lorsque nous tournons encore dans les sept églises et on voit que yo dit nous comme ça que sept esprits dans cette église, ça veut dire que le chiffre 7 qui c'est le chiffre de la plénitude, ça veut dire que c'est la totalité, ça veut dire que c'est l'omniscient de la présence de l'omniscient, l'omniprésent de la présence bon Dieu dans l'église, yo connaissance bon Dieu dans l'église, le pouvoir de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours partout. Troisièmement, yo parle nous de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en tant que le Fils, il parle nous comme le premier né entre les morts. Il parle nous Jésus-Christ qui était mort, qui était ressuscité, il est monté dans le ciel et puis il a gagné un ministère et en tant que le grand prêtre et en tant que roi pour que les capables viennent chercher nous. Ça veut dire que et la divinité vraiment voulait les révéler côté que le Père, le Fils, le Saint-Esprit vraiment ouais important. Ils ont tout mettait ensemble pour être capable de sauver l'humanité. Ça veut dire si on ne pas sauver, c'est pas faute le Père, c'est pas faute le Fils, c'est pas faute le Saint-Esprit. Ils ont tout mettait ensemble dans le livre de l'Apocalypse pour capable nous la vie éternelle. Amen. Amen. Ça me remet dans verset 5. Verset 5 dit nous, bon, fin du verset 5 qui dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous aime. » Pour moi-même, c'est un bail qui continuel. Bon Dieu toujours aimait nous. À celui qui nous a délivrés, son mari qui déjà passé. Amen. Donc, nous connaissons que par la foi, nous gâtons délivrés. Bon Dieu, nous la délivrance. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, son mari que nous vivons chaque jour. On vit de sanctification jusqu'à ce que Jésus lui-même l'y retourne pour que nous avec lui dans le ciel. Amen. Vraiment, ça veut dire, pour mettre une note dans ça, avant que nous terminions ensemble avec parti mercredi, pour mettre une note dans ça, c'est que, même chose que vous dites, le verbe aimer, c'est un participe présent. Et un participe présent, ça veut dire que c'est une action qui a continué. Oui. Ça veut dire que ni passé, ni présent, ni le futur. Ça veut dire que dans tous les temps qu'on va vivre, Jésus a toujours aimé nous. Quand on a tant vivre, Jésus still aimé nous. Et si vous avez fait, Jésus a still aimé les gens qui vous fait. Yeah. Si vous avez fait déjà ou mourir, Jésus a aimé les gens qui étaient là déjà. Yo. Ou même qui l'a, je ne dis pas, bon Dieu, toujours aimé. Et lui mettait le verbe délivrer dans le passé, son bagage extraordinaire. Yeah. Ça veut dire que ou pas besoin de battre tout problème pour le présent, parce que bon Dieu délivre déjà. Yes. Parce que y a un problème nous censé gagner, c'est lorsque bon Dieu finit de délivrer nous si la porte charge là. Jésus dit comme ça que faut qu'on ait charge, il faut qu'on quitte dans le passé. Sous yo problème ou yo difficulté yo, quitte dans le passé parce que Jésus dit le délivre déjà. Mais yon n'a pas pour toujours qu'on est dans le présent, si personne monde pas vraiment ou qu'on est Jésus vraiment. Littéralement aujourd'hui a pas grand, yo capable faire pour faire Jésus pas vraiment. Jésus a toujours aimé, il était hier, il est mon jeudi, et il a continué à aimer demain si Dieu veut. C'est peut-être ça le promet nous, pour qu'il soit capable de faire nous partie du royaume des sacrificateurs. Amen. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause et nous allons retourner tout de suite. Salut! Nous sommes ces Jefferson Pluvios et aujourd'hui, nous allons parler de hashtag Ecosa. Qui ça hashtag Ecosa? C'est une plateforme qui permet de jouer une réponse à toutes questions qu'on a gagnées. Que ce soit l'on a étudié le son là à Kayou, pendant l'église, pendant la parole à Zamir, ou soit même pendant regarder une vidéo le son l'école Sabal.
qui sont capables de poser des questions. Ce qui s'en fait, c'est aller dans l'espace commentaire, écrire des questions et puis à la fin, mettre hashtag ECOSA. C'est aussi simple que ça. Oh, une question là, oui. Ah, j'ai oublié de dire ça. Eh bien, vidéo hashtag ECOSA, il y a posté chaque vendredi soir. Ça permet tout que vous avez toute semaine pour poser des questions et puis le vendredi soir, vous jouez une réponse sans qu'on y a ou même pour aller dans la classe ou dans le sabbat matin pour capable de partager la réponse à tout le monde. Merci, ma pour nous hashtag ECOSA. C'est un plaisir pour que nous capables retourner ensemble avec dernière partie leçon. Merci d'être que été branché et merci d'être que t'as prêté nous avec impatience. Et nous allons commencer ensemble avec partie jeudi qui gagne pour titre le thème majeur de l'Apocalypse. Et m'a dit que dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de thèmes. Et m'a dit qu'il y a un thème qui est vraiment important. Et c'est sous lui-même que leçon jeudi en lui-même est censé baser. Et leçon jeudi en lui basé sur qui thème qui est plus majeur dans le livre Apocalypse, là, frère, sur Laurie. Le thème majeur de l'Apocalypse, c'est le retour de Jésus. Mais ça fait le majeur. Ça fait le majeur. Ça fait le majeur, c'est parce que nous connaissons que Jésus pourra mettre en fin à toute souffrance nous, toute douleur nous, pas bien la mort, amen, ni maladie, et ça va être la paix. Ça amen va être la paix, amen, la paix en abondance, la joie en abondance, et nous parler avec bon Dieu, avec bon Dieu chaque jour. Amen, so, amen. Ça veut dire que il y a un bagage qui est vraiment important pendant que m'appeler livre Apocalypse, non? Et dans la dernière partie, la dernière chapitre là, dans verset chapitre 22 là, et le retour de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même lui fait déclaration ça pendant trois fois, il met accent sur lui. Il dit je reviens bientôt, je reviens bientôt, je reviens bientôt. Pendant trois fois dans ce chapitre, Jésus répétait côté que la retourner. Ça veut dire que Jésus montre nous que il est vraiment important pour nous que nous reconnaître que la retourner. Ça veut dire que ça Jésus promet nous, ce n'est pas des fables que y a, c'est pas des mensonges, mais une promesse bon Dieu, c'est toujours certaine et véritable. Mais non seulement il parle de promesse bon Dieu yo, et que Jésus-Christ lui-même l'a retourné, mais bon bagaille que moi ouais dans leçon 1 et spécialement Apocalypse chapitre 1 verset 7 côté que il dit nous lorsque Jésus-Christ lui-même est censé venir, mais les promettre ensemble avec monde qui était cloué le sous quoi yo et avec beaucoup d'autres personnes encore, et mais monde ça nous déjà connaît, la Bible déjà dit pas sauver. Et même dit monde ça va pour elle. Et ça moi ça vraiment intéressant côté que c'est une certitude côté que nous reconnaît que monde ça yo même bien pour Jésus. Et la Bible parlait de une résurrection spéciale pour monde ça yo. Ça veut dire que pendant que la Bible parlait de gagner deux types de monde qui mourir et les morts en Christ et les morts qui partent dans Christ, mais moun sa yo en réalité qui était crucifié Jésus hein, moun sa yo gen pour ressusciter spécialement pour voir Jésus et après il a mouri. Au fond ça moi mais encore dans bagarre là, c'est parce que dans fin verset il y a deux mots que yo dit. Yes, oui. Amen. Oui, amen. C'est une c'est grec, l'autre là c'est hébreu. Mot grec là pour oui c'est nai, mot hébreu c'est amen. Un mot amen pour amen c'est amen. Ça veut dire que amen signifie oui. Ça veut dire que bon Dieu mettait une certitude que vraiment vrai la retourner. Et non seulement la retourner que moun sa yo te promettre que y a poil lorsque la retourner la privé. Puisque yo utilisé ni le grec ni l'hébreu, ça veut dire qu'en soit langue moun sa yo te parler dans période ça, si yo te parler grec, yo connaît que Jésus vraiment veut mettre en phase ni dans le grec ni dans l'hébreu, ça veut dire pas gagner à sortir de là que c'est une affirmation que Jésus-Christ lui-même la retourner et moun qui te persévère et moun sa yo même gagner pour voir Jésus. Ça me remet aussi dans le retour de Jésus et également dans le livre de l'Apocalypse, bon Dieu, Jésus fait un appel qui est personnel avec chaque monde. Amen. C'est pas, il n'est pas utilisé en figure de style ou bien en image, mais il parle vraiment de manière littérale. Amen. Et il bat un rendez-vous à chaque monde qui voulait accepter dans la ville. Je reviens bientôt. Es-tu prêt?
es-tu prêt? Je reviens bientôt. Et pour moi-même, bon Dieu a parlé à Vem parce qu'il dit, Laurie, es-tu prête? Es-tu prête? Je reviens bientôt. Et c'est vraiment le message d'amour que Jésus voulait partager avec nous. Ce soir, c'est vraiment intéressant parce que Jésus-Christ promet nous que la retourner. Et non seulement le promet nous la retourner, tout ça qu'il te promet auparavant d'y accomplir. Ça ne dit pas qu'il y a sorti de là, même si que nous, elle te fait 10 ans, elle te fait 20 ans, 50 ans, un siècle, deux siècles passés, nous, Jésus par quoi retourner, la retourner bientôt. Ça veut dire que ce n'est pas le moment que Jésus retourne qui est important, c'est est-ce que si Jésus retourne, Kounia, est-ce qu'on prêt? C'est ça. Et est-ce qu'on prêt? Et c'est ça fait que c'est vraiment intéressant pour que nous capables préparer nous pour nous à vivre ensemble avec Jésus-Christ dans les cieux. Avant que nous terminions ensemble avec la leçon, c'était vraiment une très belle leçon qui c'était introduction et livre Apocalypse 1 que y aurait les prologues de l'Apocalypse. Que nous capables de dire est-ce que ou même vous gagnez quelques mots à partager ensemble avec le peuple là et mots d'encouragement pour que nous capables de conclure ensemble avec la leçon. Un encouragement que m'te kabaï, c'est pour que nous prenions lire le livre de l'Apocalypse, pour que nous fassions expérience avec bon Dieu à travers le livre de l'Apocalypse. Les applis le livre de l'Apocalypse, songez dans tes tout, qui ça bon Dieu voulait dire, quel message bon Dieu gagne pour la vie, je dis, quel message d'amour bon Dieu voulait transmettre à moi-même et ou même. Donc message de l'Apocalypse, pas difficile, même j'en étais qu'à penser lié, mais depuis que nous prenons le Saint-Esprit a aidé nous comprendre et discerner message d'amour que bon Dieu gagne pour chacun de nous. Amen. Merci, Sœur Laurie, pour bel conseil ça, que vous partagez ensemble avec nous. Et nous voulons remercier toutes bien-aimées, frères, sœurs, amis qui étaient à suivre nous pendant l'étude. Ça, que m'a dit moi-même, moi, remets nous en pile. Moi remets nous lorsque me dit moi remets nous c'est peut-être ça école sabbat la travail pour que capable servir nous c'est parce que nous remets nous nous t'a souhaité ouais nous dans le ciel ensemble avec nous mais en dépit de tout m'a dit comme ça même gens pour ouais nous pas grand monde qui était capable vraiment plus que Jésus c'est ça fait que ou même haïtien spécialement jeune garçon jeune fille qui le vit dans le contexte haïtien bon bagage que nous même fait en pile lorsque nous voyons une jeune fille nous même écrit des acrostiches nous même envoyer des lettres pour que nous capable cotiser laisse-moi te dire une chose. Le livre de l'Apocalypse n'est pas médiocre, capable de dire effrayant, genre qu'un pile monde présente. Le livre de l'Apocalypse, c'est une lettre que Dieu a écrite à son église, à son peuple, à vous-même comme gardez-moi là. C'est une lettre que Jésus-Christ voyait bas haut, une lettre d'amour pour lui dire comment elle souffrit pour vous, comment qu'on fait le crier, comment que on fait le peiner, comment que lire moi à chaque fois que il vient vers vous-même, mais vous refusez. Mais quand on soit agent que lié, il style Raymond. C'est peut-être ça que nous sommes deux verbes d'aller. Le verbe au délivre qui est au passé et le verbe et aimer qui est au passé et au participe présent. Ça veut dire que toute charge nous a quitté au derrière. Mais en nous vivre moment présent. Parce qu'en pile fois, nous vivons dans le passé, ça t'est arrivé nous. Misère nous t'est passé, un problème que nous t'est rencontré. Nous pas vivre moment présent. C'est ça fait que bon Dieu invite nous pour nous vivre chaque jour dans sa présence, dans l'amour, dans la foi. Et c'est comme ça, frères et sœurs, c'est que nous mettons parole ça en application. Au retour de Jésus-Christ, moi, je suis sûr et certain que nous sommes prêts pour que nous puissions voler ensemble avec lui, pour nous vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Merci d'être ce que tu as suivi nous. Leçon que nous avons étudié ensemble avec vous, c'était leçon 1. C'était la première leçon dans le questionnaire là. Moi, je souhaite vous passer une bonne semaine. Et moi, je souhaite que vous passez un bon sabbat avec Jésus. Et je souhaite vous passer une bonne année 2019. Que l'éternel lui-même bénisse. Restez connecté ensemble avec École Sabbat, n'a venir ensemble avec plus suggestions, questions et pour que nous capables mieux servir. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Si vous avez mes vidéos sont faites, regardez là, abonnez-vous sur la page là. Vous finissez abonné, cliquez sur la petite cloche là.